wetu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, rais wetu Tshisekedi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aliambia baba yetu gouverneur kwa wakati nitafika niwapatie jambo na pole. Ndio. Kamate pole ya excellence wetu president de la République. Kamate pole ya baba yetu gouverneur général Peter Chiwami. Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité, c'est Congo Live Espoir. Moïse Hangi, ça va? Ça va très bien. Bienvenue ce matin chez nous en direct et en exclusivité sur Congo Live. Je rappelle que nous sommes le mercredi 11 octobre 2023. Ça va? Je vous en prie, ça va très bien. Quelles sont les nouvelles ce matin? Goma, ça va relativement calme. La ville, elle est pas mal. Mm-hmm. Pas quelque chose de très spécial. Mm-hmm. Peut-être au niveau national. Le potentiel candidat à la présidentielle, ils sont en course et chacun essaie de peaufiner des stratégies ça et là en s'entretenant avec ses bases. Nous les observons de près. Mm-hmm. Alors, on va parler de cette actualité. En tout cas, la page Kichanga pour les M23 est tournée. Et on voit ces images, une délégation des FARDC est arrivée finalement ce mardi dans la cité de Kichanga sur place. Elle a tenu son premier meeting où elle s'est adressée à la population en transmettant les messages du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et du gouverneur militaire du Nord Kivu. Les FARDC en tout cas ont foulé leur pied à Kichanga, monsieur Moïse. Ouf de soulagement, nous félicitons vivement la bravoure dont ont fait preuve nos compatriotes résistants. C'est au travers de leurs efforts que Kichanga vient d'être réoccupé une fois de plus par nos forces loyalistes, lesquelles forces, il faut les rappeler et les dire ici, continuent à observer les cessez-le-feu. Mais pour ce qui nous concerne, nous saluons effectivement le travail abattu par les compatriotes résistants qui, pour moi, constituent aujourd'hui une fierté nationale. Une fierté nationale. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est vers la libération totale de toutes les zones qui étaient sous contrôle des M23. Absolument. Si nous évoluons avec cette logique dans laquelle les résistants s'inscrivent, on peut espérer que même Bunagana sera désormais contrôlé par les forces armées de la République démocratique du Congo, après effectivement que le Wazalendu y soit. Donc déjà au moins on peut espérer à quelque chose de très favorable au travers l'évolution de la situation. Nous estimons que les forces armées ne vont pas céder Kichanga, les Wazalendu vont poursuivre effectivement la lutte et au besoin récupérer d'autres agglomérations ici sous le contrôle des rebelles terroristes du M23 bar RDF de messieurs le sanguinaire Paul Kagame. Et sûr que les Wazalendu n'ont pas volé des avions, on a vu les réseaux. Effectivement, c'était une simple rumeur. On a vu les réseaux du Rwanda, les médias. Vouloir brandir ça comme étant un argument, et ça, on a balayé avec toute la dernière énergie. Ils ne l'ont pas volé, c'était juste une rumeur, quelque chose que le M23 a voulu effectivement brandir aux yeux de l'opinion pour essayer un peu de se racheter. Mais ce qui est sûr, c'est que... Et puis s'ils pouvaient voler ça, cette hypothèse-là, je ne vois pas en quoi est-ce que ça les concerne.
C'est le sukoi du peuple congolais, c'est le sukoi acheté par l'argent du trésor ici du contribuable congolais. En quoi est-ce que ça concerne la M23? Mais au regard des renseignements et des recherches que nous avions essayé un peu de faire, c'était vraiment une rumeur. Il n'y a pas de sukoi qui ont été récupérés par les Oazalendo. Ah, et tout va bien, les avions, tous les avions sont là. Effectivement. Comme le FARDC vient déjà de s'y déployer, donc toute la logistique est mise à profit pour ne pas encore perdre cette zone. Et ce que déjà, ce qui doit être fait, c'est que les Oazalens nous vont devoir maintenant essayer un peu de faire quelques pas en avant, quoi. Parce que selon cette rumeur relayée par les Rwandais, les Oazalendo auraient volé un Sokoï 25 ce mardi matin à Goma. Les FARDC, surprise de cet acte de vol condamnable, annoncent qu'elles ne sont pas ni de près ni de loin concernées par le carnage qu'il fera au M23. Et les FARDC observent le cessez-le-feu. En fait, les M23, ils sont aux abois. Ils commencent à rechercher. Ça, je qualifie tel que vous l'avez dit aussi, de l'insolite, en fait. C'est quelque chose qui ne tient pas debout. Mais quand... Et déjà, au travers ça, on peut comprendre le fait que les M23 est à bout du souffle. Les terroristes, ils n'ont plus à quel sens se vouer. Voilà pourquoi ils commencent à chercher des béquilles, ça et là, pour se justifier. Mais nous, on avance jusqu'à l'ère dernier retranchement. Il faut en découdre une fois pour toutes avec la barbarie de ces aventuriers, en fait, et commencer à décrier qu'il y a des soukous qui les ont attaqués, récupérés par les Oazalendo. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, échec total de la part de l'ennemi. Et ça, c'est tout ce que le peuple congolais attendait. Alors, il faut en tout cas préciser quand même qu'on a checké cette information. Il faut dire qu'on appelait aux gens de se méfier de cette information car il s'agit d'une intox. C'est une source de sécurité qu'on a contactée qui nous a confirmé, je cite, tous les avions militaires FARDC sont placés dans des endroits sûrs, rassure une source sécuritaire qui parle d'une fabrication de l'ennemi. Effectivement, ils sont experts dans l'intoxication et la désinformation. Ce sont des gens qui utilisent les médias sociaux pour essayer un peu de désorienter l'opinion. Et ça, ils ont investi beaucoup de moyens dans ça. Et j'espère que nous devons être assez prudents, surtout nous les Congolais et d'autres compatriotes, amis du Congo, à ne pas se fier à ce genre de messages. Ce sont des messages de nature à démotiver non seulement la population, mais aussi à décourager les compatriotes qui sont sur la ligne de front. Quand ils disent qu'il y a ça et là, des intox en tout cas, qui ne sont pas vérifiés, je crois que la responsabilité nous revient. Nous, Congolais, nous, la population, de pouvoir chaque fois vérifier ce genre d'informations et même parfois s'en méfier en fait. Je suis de ceux-là qui pensent qu'il ne faut même pas donner de l'intérêt. Même sur le net, il ne faut même pas suivre les plateformes qui sont gérés par l'ennemi. Je parle ici des Maïcha RDC, je parle de Goma 24, je parle ici effectivement de toutes ces autres pages qui sont téléguidées et gérées par l'ennemi. Le message qui sont relayés sur ces plateformes, ce sont des messages qui sont caractérisés par effectivement des dribbles, de l'intox, pour ne citer que cela, et nous ne pouvons pas en donner plus d'intérêt. Alors, en tout cas, alors, on va également revenir sur cette, cet engagement, détermination des Oazalendo dans les Massissi. On a l'impression aujourd'hui que Massissi est déjà sous contrôle total des Oazalendo et des FARDC et que les jeunes se dirigent vers Rutshuru. Bon, c'est les souhaits de toute la population. Nous avions été depuis longtemps endeuillés et aujourd'hui, déjà une lueur d'espoir s'est fait constater. Quoi de plus simple que d'encourager le Oazalendo d'aller au-delà? Effectivement, la problématique qui pèse maintenant, ce sont les appels qui ressortent ça et là. En suivant très particulièrement la réaction de Uhuru Kenyatta, j'imagine que maintenant là, ce qu'encore ces organisations veulent, c'est que nous puissions encore céder aux caprices du M23. Je crois que les Oazalendo
vont devoir effectivement avancer et ne vont même pas céder à aucune intimidation ou à aucun appel de nature, effectivement, une fois de plus, à empirer la situation. Espérons que même Rutshuru sera récupéré et même Bounagana, monsieur les journalistes. Tout est possible. Parce que les jeunes sont déterminés, c'est ça. Effectivement, ces jeunes aujourd'hui, ils incarnent, je les redis encore, ils incarnent la fierté nationale. Ces jeunes aujourd'hui, on ne peut pas les interdire de se révolter. Quelqu'un qui est en colère, messieurs les journalistes, suite au fait d'avoir perdu beaucoup de membres de sa famille, suite au fait d'avoir perdu effectivement ses chats, ses bétails et que sais-je, on ne peut pas l'interdire de se révolter. Le gouvernement a voulu que l'on respecte les cessez-le-feu, mais à la fois, je comprends que le gouvernement lui-même comprend les ras-le-bol. La colère qui anime ces jeunes et qui défendent la terre de leurs ancêtres, on ne peut pas les interdire à se défendre. Cette responsabilité incombe à chaque Congolais dès lors que l'intégrité du territoire national est menacée. Chaque Congolais a le devoir, effectivement, d'user de tous les moyens possibles est à sa disposition pour mettre la République à l'abri et c'est ce que ces jeunes résistants font. Donc nous les encourageons dans ça et nous espérons que notre pays sera d'ici là généralement pacifié. Quel rôle joue la communauté internationale dans cette situation? La communauté internationale, elle est silencieuse. On peut dire qu'elle joue au silence coupable. Nous nous attendions à ce qu'elle nous revienne au secours. Mais en dépit des alertes que nous ne cessons effectivement de l'adresser, aucune réaction, aucune condamnation ferme, aucune sanction très sévère à l'égard de Kigali. Pourtant, la communauté internationale elle-même est au courant des rapports rendus par effectivement les experts du Conseil de sécurité des Nations Unies et même l'Organisation des Nations Unies en général, mais aucun acte, aucune sanction, aucune condamnation ferme n'est venue de la part de cette communauté. Voilà pourquoi est-ce que jusqu'à présent, nous nous considérons la communauté internationale comme état, c'est effectivement complice du malheur du peuple congolais. Nous comprenons que cette communauté internationale, elle semble avoir des penchants. Elle est ici du côté de Paul Kagame. Si elle pouvait s'inscrire dans la logique à travers laquelle les Nations Unies se sont inscrites, je parle ici les États-Unis, en céda, en mettant fin à son appui au Rwanda, si tel devait être le cas pour le Conseil de sécurité et même l'Union européenne et d'autres grandes organisations internationales, tant mieux. Mais maintenant, c'est sur quoi ce qui nous appelle, c'est de dialoguer avec l'M23. C'est d'avoir intérêt d'attendre, c'est retrouver autour d'une table avec l'ennemi, alors que d'aucuns ignorent ce que revendique l'M23. Ils veulent qu'on puisse les intégrer au sein de l'armée, ce que le peuple congolais n'acceptera jamais. Parce que nous savons les conséquences de ce genre de décision. L'M23 veut que nous puissions lui donner effectivement des ressources, alors qu'ils ont pillé beaucoup. Ils veulent encore que nous puissions leur donner des postes politiques pour qu'on ait des ministres ici rwandais qui seront en train de travailler pour les compte de Paul Kagame. Ça, le peuple congolais n'acceptera pas. C'est que le peuple, les Rwandais veulent, c'est qu'ils aient encore aujourd'hui des hauts gradés au sein de notre armée pour paupériser notre système de défense. Et ça, nous n'accepterons pas que l'histoire puisse se répéter. Nous ne voulons plus avoir un James Kabarebe à la tête de notre armée. Nous ne voulons plus avoir, messieurs les journalistes, des étrangers qui seront en train de guider les destins du peuple congolais. Le Congo appartient aux Congolais, les Rwandais appartiennent aux Rwandais et nous ne céderons pas. Les ancêtres nous ont donné cette mission sacrée de garder cet héritage qui nous ont été légués par Lumumba, par Lick, par d'autres compatriotes qui se sont bâtis jusqu'au prix du sacrifice. Et nous ne pouvons pas laisser cette terre à l'abri. Nous ne pouvons pas laisser cet héritage à l'ennemi. Voilà pourquoi, messieurs les journalistes, nous restons déterminés et nous estimons que tôt ou tard, nous vaincrons. Mesdames et messieurs, vous nous regardez. Je vous rappelle que nous sommes Congo Live Télévision. Nous sommes le mercredi 11 octobre 2023. Monsieur Moïse Angui, il est l'invité ce matin en direct sur Congo Live. Mais Moïse, on essaie un peu de comprendre. C'est sûr, vous dites qu'il y a un silence coupable, ça c'est votre mot. Silence coupable du côté communauté internationale. Effectivement. On nous suivons d'ailleurs
je parle des noms ou des prêts, ce qui se passe en Israël et en Ukraine, où nous voyons toutes ces grandes nations-là, où toutes ces grandes puissances se mobilisent pour condamner ces attaques des terroristes en masse, qui se passe. Effectivement, ce qui se passe en Israël, déjà la communauté internationale est mobilisée, elle déploie plus d'énergie. Pourquoi ne pas le faire pour aussi les Congo? Nous sommes aussi désimés comme ces gens-là. Nous avions laissé en rouge comme ces gens-là. Et d'ailleurs, nous avions perdu beaucoup déjà, plus que même les Israéliens. Pas pour autant que nous nous réjouissons de ce qui se passe en Israël, parce que c'est effectivement presque une agression dont l'Israël est victime pour la même situation qui se passe au Congo. Mais autant la communauté internationale est mobilisée pour la question de l'Israël, autant elle devait être mobilisée pour les problèmes qui se passent ici au Congo. Nous faisons aussi partie du monde, nous faisons aussi partie de l'Organisation des Nations Unies. D'accord, merci beaucoup. On va finir par cette actualité. Moïse, vous l'aviez demandé, on a vu des manifestations à Goma, partout au Congo, pour exiger le départ de la force régionale de l'EAC. Finalement, le gouvernement congolais s'est prononcé. Patrick Muyaya a bien précisé que cette force va quitter, bien, devrait vraiment quitter le Congo d'ici 8 décembre. C'est quoi votre premier mot? Nous sommes très satisfaits, sentiment de satisfaction, dès lors que le gouvernement s'incline au-devant de la volonté du peuple. L'article 5 de notre constitution est très bien clair, la souveraineté nationale appartient au peuple, et ça veut dire que la classe politique, elle est là effectivement pour décider, pour effectivement prendre des décisions qui effectivement sont issues de la volonté de la population. Le peuple congolais ne veut plus de l'EAC au regard du résultat non seulement insatisfaisant, mais au regard effectivement de l'amateurisme dont cette force régionale a fait preuve. Déjà là que le porte-parole du gouvernement, Excellence Patrick Muyaya, vient de déclarer le retrait de cette force d'ici là, le 8, nous sommes très réjouis et nous pensons que ce qui doit être fait maintenant, c'est de pouvoir faire en sorte que les forces armées essaient un peu d'accomplir fondamentalement sa mission. C'est vide-là qui sera laissé parler assez. Espérons que les forces armées vont le faire. Nous saluons cette décision et nous félicitons le gouvernement pour cela. Alors, on va finir en politique, Moïse. D'abord, on finit par cette réaction de toute réduction ou retrait du soutien logistique et sécuritaire de la MONUSCO aurait un impact sur l'accès du Haut-Commissariat aux communautés éloignées et touchées par les conflits, avertit la haut-commissaire adjointe de l'ONU aux droits de l'homme. Ces gens-là, ils nous font des discours créés du jour au lendemain, lesquels discours ne sont suivis par aucun acte. Dire que le manque de leur appui impactera considérablement, quoi que ce soit, je ne pense pas. Nous avions vécu depuis plusieurs années sans la MONUSCO et j'espère que c'est possible que le peuple congolais se débrie. Nous pouvons nous prendre en charge. Aujourd'hui, nous ne comptons pas plus sur la MONUSCO. Elle a eu plus de 22 ans sur le territoire congolais. Elle n'a pas été à mesure de mettre fin aux hostilités ou au maintien de la paix, tel que prescrit dans effectivement la mission qui leur avait été octroyée par les Nations Unies. Dire que si elles vont partir ou si elles ne seront pas au Congo, leur aide nous est indispensable. Je ne pense pas forcément, nous allons nous prendre en charge. Le peuple congolais est prêt aujourd'hui à se prendre en charge et le gouvernement est déjà prêt pour cela. En diplomatie, le président de la transition du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, est attendu à Kinshasa ce mercredi. Nouvelle étape de sa tournée de sensibilisation des chefs d'État de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Bienvenue au chef de l'État. Caribou. C'est celui qui a fait récemment le coup d'État au Gabon. Oui. Effectivement, en fait, on espère que sa présence ou effectivement son séjour à Kinshasa va apporter en plus le pourparlers qu'il va devoir avoir avec Kinshasa, très pratiquement avec le président Tshisekedi et le reste. Ça va renforcer une fois de plus la collaboration entre nos deux États et peut-être que sur le plan militaire, son pays aussi peut nous faire quelque chose en termes d'appui
En fait, c'est aussi ça ce qu'on appelle la diplomatie. C'est question d'intérêt. Et j'espère qu'il va présenter ses civilités au président Tshisekedi et ils vont au public. D'accord. Il y a Kenyatta, vous l'aviez suivi, qui a appelé, après avoir constaté sur terrain l'avancée des Oisaliens, du appel en tout cas au cessez-le-feu et que ce jeune, disons, arrête de se battre au nom de la paix. Kenyatta a raté l'occasion de se taire. Ça, c'est une façon de se moquer à l'égard du peuple congolais. J'aurais bien voulu qu'il parte tenir ce genre de discours au niveau du Rwanda ou même avec les responsables du 1-23. C'est en fait eux qui ne respectent pas les prescrits tels que dictés dans les résolutions ici de Bujumbura, Nairobi et Luanda. Qui ne respecte pas les cessez-le-feu, c'est la 1-23. Mais dès lors que Kenyatta continue à nous appeler à privilégier une solution militaire, mais il veut que nous puissions céder tout notre territoire, la 1-23 qui demeure aujourd'hui effectivement non respectueux de ses assises, peut-être que c'est envers la 1-23 que Kenyatta devrait s'adresser et pas au peuple congolais. Nous dire de privilégier la solution non militaire, c'est jouer le jeu de l'ennemi et nous mettons effectivement, nous ne concédons pas ces gens. Donc les facilitateurs, il a tapé à côté. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir regardé. Moïse, on se quitte par votre numéro de téléphone. Plus 243 99 25 42 946 à la lucha. Merci, mesdames et messieurs. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bye bye.